On va piéger un ministre, on le piège à la cour. On est dans quel pays là? Le regretté Chérubin Okende était venu ici à la Cour constitutionnelle. Nous aurons la réponse. Présentement, je ne peux pas ni dire oui, ni dire non. C'est à l'aide d'un système GPS qu'il a découvert les corps. Oh, la voiture. La voiture avait un système de localisation GPS. Le premier élément donc révèle que la mort est survenue par balle. Alors, si c'est l'arme du crime, et l'arme est connue, qui est le criminel, c'est derrière ces criminels que nous courons tous. Je voudrais vous informer également que présentement se trouve entre les mains de la justice les premiers suspects. Le premier suspect qui est en train d'être interrogé par le parquet des grandes instances. Je voudrais également vous informer que les témoignages recueillis ne nous permettent pas à l'instant de vous dévoiler qui serait le criminel et d'où il est venu. La voiture retrouvée le matin vers 6 heures, les moteurs étaient en marche, clim allumée. Si, la clim est encore allumée, il avait encore sa ceinture de sécurité et le volant. Il n'y avait qu'une balle. Là, ce sont des éléments objectifs. C'est dans ces conditions-là qu'il a été retrouvé le matin. Les premiers éléments qui seront révélés seront portés à votre connaissance dans les heures qui viennent. Tous nous connaissons la triste nouvelle qui nous a tous plombés dès ce matin. C'est ce qui fait que, de prime abord, le Conseil supérieur, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature, présente ses condoléances à la famille de l'illustre disparu. Et nous tenions, je vois beaucoup de micros ici, nous tenions à relever un fait. Nous avons appelé les journalistes, c'est pour que les regards soient canalisés ensemble avec les efforts que la justice est en train de faire. Sur ce, vous me voyez entouré de deux procureurs généraux, mais celui qui aura la parole aujourd'hui, ce n'est pas le président du Conseil supérieur de la magistrature, mais c'est le procureur général près de la Cour de cassation. C'est lui le patron de l'action publique sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce qui est arrivé, bien sûr qu'il y a eu mort d'homme, mais c'est une mort d'homme qui paraît suspecte. Et je ne peux pas, moi, entraver sur les prérogatives du procureur général près de la Cour de cassation, étant donné que dès les premières heures, quand l'information a été donnée, le parquet a mis sa machine en branle. Donc, ce qui fait que je vais laisser la parole à monsieur le procureur général de près de la Cour de cassation, celui qui donnerait les premiers éléments des enquêtes. La climatisation également en marche devant sur l'avenue des poids lourds devant CEP Congo pour ceux qui connaissent Kinshasa. Et aussitôt, il a été déployé autour du véhicule un dispositif de sécurité pour commencer les enquêtes. J'ai personnellement chargé les procureurs de la République de se déployer par ces magistrats pour faire la lumière autour de ça. La police, naturellement scientifique, a été requise, étant donné que la mort a été donnée par balle, tirée d'une arme trouvée à côté du défunt, et que par la suite, le corps présentement se trouve à la morgue du cinquantenaire,
bilan donc révèle que la mort est survenue par balle. Alors, si c'est l'arme du crime et l'arme est connue, qui est le criminel, c'est derrière ces criminels que nous courons tous. Je voudrais vous informer également que présentement se trouve entre les mains de la justice le premier suspect qui est en train d'être interrogé par le parquet des grandes instances. Les premiers éléments qui seront révélés seront portés à votre connaissance dans les heures qui viennent. Je voudrais également vous informer que les témoignages recueillis ne nous permettent pas à l'instant de vous dévoiler qui seraient les criminels et d'où il est venu. Mais les indices sérieux semblent déjà être entre les mains des enquêteurs, en ce sens que plusieurs concourent à ce que ces criminels puissent être dénichés. Il y a la police scientifique, il y a également au niveau des services de communication, nous voulons vous le dire, puisqu'il y a des téléphones qui sont saisis. Tout ça va être passé au crible pour que nous puissions avoir au finish les résultats escomptés, à savoir la découverte de la vérité. Et je ne voudrais pas le dire, mais vous imaginez que ces criminels-là, une fois dénichés, sera absolument déféré devant l'instance de jugement. Je voudrais lever une équivoque, ou plutôt mettre fin à certaines supputations. Les réseaux sociaux, nous les connaissons, sont ceux qui souvent vont en sens divers. Il y a peu de temps, je voudrais vous le rappeler, j'avais fait un communiqué de presse pour contredire une information qui avait été relayée autour d'un certain Diego. Ici aussi, déjà dans les réseaux, les gens parlent, donnent des informations, je ne dis pas que nous les négligeons, mais nous voudrions alors attirer l'attention de tout celui, au lieu d'aller à la presse, au lieu d'aller je ne sais pas où, détiendrait une information de nature à nous permettre à orienter nos enquêtes, de venir nous trouver. Je crois que nos offices sont bien connus. Ces informations devront nous parvenir en priorité pour nous permettre de vite évoluer dans les investigations entreprises. Au lieu de commencer à les donner de manière anonyme, et là, j'attire l'attention parce que l'Office du ministère public que je dirige sera impitoyable envers les personnes qui propagent les faux bruits de nature à soulever les populations. Je mets en garde ce genre de provocateurs de faux bruits. Vous avez une information, portez-les à notre connaissance. Vous portez là notre connaissance pour que nous l'exploitions à bon escient et que cela puisse concourir à ce que la vérité soit connue. Mesdames et messieurs de la presse, je crois que vous le savez, je ne peux pas aller plus loin. Les systèmes dans notre code de procédure pénale étant inquisitorial, donc secrète, j'ai juste voulu vous dire que la justice s'est saisie du dossier. Nous sommes sûrs. Les traces, nous sommes en train d'évoluer et nous nous ferons le devoir, si pas dans cette salle ou dans d'autres circonstances, mais certainement à l'avenir,
de vous donner certainement l'évolution des enquêtes ainsi entreprises. 20 heures pour s'informer, demander si le défunt s'est trouvé encore ici. Il réapparaît vers 8 heures ce matin ou vers 6 heures, mais il se présente à 8 heures devant nos magistrats pour dire que c'est à l'aide d'un système GPS qu'il a découvert les corps. La voiture. La voiture avait un système de localisation GPS. Ce système permet de situer localement, de localiser le véhicule là où il se trouve. Je crois que plusieurs personnes l'utilisent, surtout nos agences ici de l'ONU utilisent ce système. Posez-vous autant de questions qu'entre 16h et 6h du matin, ou 20h quand il revient ici, ou entre 20h et très tôt ce matin, est-ce que son système GPS n'a pas fonctionné? Et s'il a fonctionné, pourquoi seulement? C'est ce matin. Autant de questions. Je regrette, Chérubin Okende était venu ici à la Cour constitutionnelle. Nous aurons la réponse. Présentement, je ne peux pas ni dire oui, ni dire non. Que c'est cette arme-là qui a servi à donner la mort par une balle, de par la position donnée par la police scientifique. Cette mort donnée par balle, tous ces détails vont être confirmés par la police scientifique. Voilà. Que les investigations sont là pour aboutir, avoir la réponse claire et nette. Ça veut dire quoi? Que la personne qui dit l'avoir vue ici, toute personne, c'est l'écrit que j'ai lancé tout à l'heure, toute personne qui aurait vu ou qui aurait une information certifiant la présence du défunt dans les environs ou ici devant la Cour constitutionnelle est invité à pouvoir à venir nous donner cette information. Dans le cadre de l'exécution des attributions d'un juge constitutionnel ou de la Cour constitutionnelle, il est entre autres donné à la Cour constitutionnelle de recevoir les déclarations de patrimoine familial, entre autres de tous les membres du gouvernement, à l'entrée comme à la sortie. Et ça, vous de la presse, vous devriez le savoir, parce que vous revenez sur l'invitation, mais vous devriez savoir que c'est dans ce cadre-là. Ce n'est pas la première fois que ça se fait. Et le règlement intérieur de la Cour, en son article 93, donne au juge rapporteur, si les éléments ne sont pas complets, d'inviter, on n'invite pas l'administration parce que nous sommes en matière de déclaration de patrimoine, c'est individuel et c'est secret confidentiel. C'est la personne qui doit ajouter les éléments qu'on invite. Vous êtes journaliste, il y a des membres, même le premier ministre actuel, mais ils sont tous soumis à cet exercice-là. Les ministres viennent ici et ils le font. Quand on constate qu'il y a des éléments qui manquent, on invite. Et dans ce cadre ici, il y avait 3 ministres démissionnaires. Les invitations ont été lancées non pas à un, mais à tous les 3. Donc c'est ça aussi que vous ne voulez pas donner à tous les 3. C'était pour donner les compléments d'information. Le mardi, ils entrent en contact avec tous pour leur signaler qu'il y avait des correspondances. Quitte à ce que l'intéressé, c'est comme ça qu'on fait, quitte à ce que l'intéressé dise comment est-ce qu'il entrera en possession de cette correspondance. Il peut venir, il peut envoyer quelqu'un. L'essentiel est que la lettre, que lui-même qui est le destinataire, parce que c'est ça un caractère confidentiel et individuel, qu'il soit d'abord informé. Il dira
Aujourd'hui même, c'est le mardi. Je passerai, si je ne passe pas, j'appelle quelqu'un. Ça n'a pas été le cas, mais c'est le mercredi qu'il va appeler pour dire « Je suis empêché, j'envoie mon collaborateur. » Il passera comme les procureurs généraux le venaient de vous dire à 11h. Et il a accusé réception en mettant son nom et son numéro de téléphone. Normal. Il repart à 16h, le même qui a pris là l'invitation. Ce n'était pas pour des réunions, il n'y a aucune erreur, c'est juste pour qu'il vienne donner. On lui informe les éléments qui manquent et il les supplée. Il pouvait les avoir ou les amener après. Il dépose la lettre et il repart. Le procureur général vous dit, était-il, c'est pourquoi il demande, s'il y a des gens qui l'ont vu, qui ont attesté, parce que nous, nous avons au moins sa lettre pour dire qu'il ne pouvait pas venir. Nous avons sa lettre, c'est ça qui est officiel. Et puis de toutes les façons, on tournerait autour de l'invitation. En fait, s'il était venu et qu'il était entré, mais c'est lui qui recevait la lettre. S'il était resté à l'extérieur, ni vous, ni moi, personne ne peut l'affirmer. Mais si nous nous en tenons à ce qui est officiel, lui-même a dit, a écrit qu'il ne pouvait pas venir le jeudi, mais qu'il viendra le vendredi. J'espère que sur ce plan-là, soyez des professionnels. La constitution de notre pays est à la disposition de tout le monde. Le règlement intérieur, la loi organique, c'est à la disposition de tout le monde. Ne prenez pas les choses qui sont ordinaires et normales. On veut rattacher cela. On va piéger un ministre, on le piège à la cour. On est dans quel pays là? D'accord. Je crois que laisser la place ou laisser l'action publique poursuivre son chemin normalement. Hein? Laissons la justice faire son travail. C'est mieux que chaque personne qui a des éléments qui peut aider à ce que nous puissions arriver à savoir comment cela s'est fait. Parce que quelqu'un qui a été recherché pendant tout ce temps-là, mais les éléments dont le procureur général vient de parler, la voiture retrouvée le matin vers 6h, les moteurs est en marche, clim allumée, si, la clim est encore allumée, il avait encore sa ceinture de sécurité et le volant, il n'y avait qu'une balle. Là, ce sont des éléments objectifs. C'est dans ces conditions-là qu'il a été retrouvé le matin. Et celui qui vient à 8h dit qu'ils ont pu identifier l'endroit où se trouvait la voiture par GPS. Mais depuis 16h ou 20h, le GPS là qui pouvait aider à ce qu'on identifie. Pourquoi on pouvait aller le chercher à 20h, un monsieur est venu ici. C'est la seule information dont dispose la sécurité de la cour. Un monsieur est venu à 20h pour demander si tel monsieur n'était pas passé ici. Alors les autres lui ont dit, mais ici, à quelle date et quand est-ce qu'il devait passer ici? Voilà les informations telles qu'elles ont été données de façon objective.